belle preuve, c'est Vesselina qui nous l'a donné aussi, c'est qu'on ne consomme même pas les fonds qui nous sont attribués. Et comme je le disais tout à l'heure avec Nicole, que j'ai rencontrée à cette occasion, qui est le mouvement européen, vice-président du mouvement européen, en fait, c'est un peu la parabole de la multiplication des pains, excusez-moi pour cette référence en culture chrétienne, mais c'est que quand on met dans le pot, ben, y en a plus pour tout le monde. Et c'est pour ça que je crois et que je pense qu'il faut qu'on arrive à faire passer ce message-là. L'Europe nous enrichit, ne nous pas pour nous. Alors, donc, moi, je vais vous présenter un outil qui peut vous permettre, de justement d'aller chercher ces projets et de les médiatiser. Donc, je ne vais pas vous faire la litanie de tous les projets. J'ai travaillé à partir de ce classeur Orange que vous trouvez sur Internet en le téléchargeant sur PACA, et je vous montrerai où vous pouvez le trouver assez rapidement. Et j'ai fait une petite synthèse avec deux projets remarquables par fond pour le VAR, que je ne vais pas vous détailler, mais simplement pour montrer qu'on peut mettre en valeur ces projets pour les communiquer. Parce que bon, j'ai été fonctionnaire de l'éducation nationale pendant toute ma carrière, et je crois beaucoup à la pédagogie aussi, parce que si on veut communiquer quelque chose et faire évoluer les mentalités, il faut savoir trouver l'accroche et la chose qui va intéresser et accrocher. Or, j'ai un projet fort, j'ai besoin de crédits européens, ils ne sont pas consommés. Où est-ce que je vais trouver l'information? Alors, tout à l'heure, Valérie me disait c'est difficile à trouver, mais dans les CCI, on trouve déjà la prochaine campagne qui est en cours pour suivre ces bains. Sur le site du département, qu'est-ce que ça a donné, moi j'ai été très séduite par la volonté d'Emmanuel Macron d'évaluer les politiques publiques, parce que on peut faire des politiques publiques et en refaire d'autres, et si on ne fait à aucun moment l'évaluation de ce qui a marché et des bonnes pratiques, on recommence les mêmes âneries. Donc si nous dans notre façon d'aborder notre engagement politique, on travaille à ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose de fondamental. Donc, je voulais que ça soit court et que ça soit, surtout que ça me donne envie de les utiliser. Donc, j'ai mis ces documents en ligne sur un site qui est donc le site du comité Golf en Marche et Maxi Marche. Il y a une page Europe. Alors, vous le voyez, voilà. Comité local, hein, c'est en une seule ligne, mais bon, là, sur la projection, ça se... Donc, vous cliquez, vous avez accès aux documents PACA, et puis, les petits PDF qui sont là, qui sont... Alors, des tableaux arides avec le nom, l'argent, dépensé par... Enfin, payé par les uns et les autres, etc. etc. Et j'ai des... Je les ai fait à partir de tableaux Excel. Ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter. Là, vous avez les contacts sur le site aussi. Et je vous enverrai les documents. Voilà.